YHWH. Qui bon, 4 lettres ça a sorti et qui ça veut dire? YHWH. Qui bon, 4 lettres ça a sorti et qui ça veut dire? Bonjour, bonsoir, salut. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, frère Maxime, Saint-Esprit, bon Dieu, encore entré la caille. Je dis, pour lui retirer quelques écailles dans les yeux, nous. Pour ouvrir les yeux nous plus toujours que j'ai commencé à ouvrir là, pour faire nous plus grâce. Sous quatre lettres ça que y aurait les tétragramme, ça veut dire quatre lettres. Donc, frère avec chem, quel que soit côté, ou obtenant l'enseignement ça, que Saint-Esprit, mon Dieu, qu'on y a même ouvert l'esprit au selon Luc 24, verset 45, pour qu'elle comprenne la parole. Parce que ce n'est pas moi qui prends l'enseigner, c'est seulement voix m'entendre dans ton micro, comme d'habitude et comme toujours, je toujours dit. Mais ce n'est pas moi qui prends l'enseigner, c'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui prend l'enseigner. Raison, parce que c'est parole, mon Dieu. C'est la parole de Dieu qui prend le palavre. C'est la parole de Dieu qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Selon Apocalypse 19, verset 13, qui prend le palavre. Donc, c'est Bible qui prend le palavre, la parole de Dieu. Et donc, on est la parole de Dieu, c'est Dieu même. Selon 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, bon Dieu prend le palavre. Bon Dieu prend le palavre. Au travers de moi-même qui c'est micro, qui c'est porte-parole, qui c'est messager comme d'habitude. YHWH, qui ça, quatre lettres ça vous dit, qui sont tétragrammes et qui vont sortir. Eh bien, nous remarquons que ces quatre types de lettres, mais qui ont un pile problème. Et qui ça fait le bah, pile problème? Il normal, parce que la Bible dit qu'il y a un pile problème. Mabdou Kibok dit ça. Hébreu 4, verset 12. Il dit la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ouais, il dit la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Est-ce que nous comprenons? Et puis il dit, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge, ça veut dire la parole de Dieu, juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire, ouais, parole de bon Dieu, il est puissant, il est tranchant. Et donc on est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ même, selon Apocalypse 19, verset 13. Donc mes amis, YHWH, ça a un pile problème. Et il est très mal interprété. Si YHWH là, c'est seulement ou prend le côté scientifique, ou bien ou a trompé. Ça qu'il faut tromper. Parce que la parole de Dieu n'est pas charnelle, la parole de Dieu est spirituelle, selon 1 Corinthiens 2, verset 13. Eh bien, en aller, bambo historicité. YHWH, bambo historicité, tétragramme. YHWH, tétragramme, ça nous joigne dans le texte original hébraïque là. Ça veut dire dans la langue hébraïque là, la langue hébreu. En hébreu, nous joignons YHWH là dans le texte original dans la langue hébreu. En hébreu, nous joignons. Qui bon jouen terme ça, ou jouen tétragramme ça, dans le texte original là, ou jouen ni dans Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Pour moun qui pas rappelé, histoire ça, bon mettons seulement dans le contexte ça rapidement. C'est le bon Dieu t'a voué Moïse en Égypte. Le bon Dieu t'a voué Moïse en Égypte pour le tal retirer peuple là, peuple Israël là. Dans la chaîne, et puis Moïse était peu allé. Il était peu allé, et puis il dit, bon Dieu,
Bon Dieu dit, ou pas besoin de peur. Et puis Moïse demande lui, l'homme arrivé, qui est-ce pour me dire qui voyait me? C'est ça, bon Dieu demande. Et Moïse demande bon Dieu. Il demande bon Dieu, qui est-ce pour me dire qui voyait me? Et puis bon Dieu te répond ni. Et dans la réponse là, ou joindre YHWH là. Dans le texte original là. Ok? Mais dans le texte original là, je n'ai YHWH. Ça c'est en hébreu parce que nous connaissons généralement l'ancienne alliance qui est écrit en hébreu et nous connaissons et langue hébreu et langue grecque là tous les deux sorti dans langue qui est araméen le sorti dans araméen est-ce que nous comprenons mais en hébreu pas de voyelle ça veut dire là nous prenons Bible lui second c'est une traduction ok c'est une traduction il fait une traduction de la pensée de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, mais il y a un petit sens tout, ça veut dire dans le texte original, là, c'est YHWH, mais dans la traduction, hein, dans lui second, dans n'importe version biblique, ou après, il dit, celui, ou après, bon Dieu dit, et Moïse, ou après, l'arrivée en Égypte, on dit, moun qui est là, c'est moun qui est là, je suis là. Moun qui est là, je suis là. Et nous connaissons, ça, c'est bagay linguistique, m'a parlé là. Pourquoi dans la spiritualité, non? Nous connaissons en français, le verbe être, il veut dire deux bagay. Il veut dire, alors, le verbe être, non seulement il veut dire être là, vous comprenez? Et il signifie tout exister. Ça veut dire dans le sens propre verbe là, il veut dire être dans le sens propre là. Et dans le sens propre, oui, verbe être là veut dire être là. Mais dans le sens figuré là, il signifie exister. Donc, le bon Dieu dit moun qui relève je suis là, j'en ai traduit celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, Exode 3 verset 14, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, c'est comme ça on répond yo, et bien ça veut dire moun qui existait pas propre lui-même. C'est lui qui voit mon côté. Moun qui pas gen maman, qui pas gen papa, qui pas gen généalogie, qui pas gen grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, qui pas gen ancêtre là, c'est lui-même qui voit nous. Ça fait nous penser à Melchisédek, pas vrai, dans la nouvelle alliance, pas vrai? OK. Donc nous connaissons Melchisédek, c'est Jésus. Nous d'accord, nous songeons ça, pas vrai? OK. Melchisédek, pas gen ni père ni mère et nous connaissons Melchisédek là. Paraboliquement, nos langages paraboliques, c'est Jésus, pas vrai? C'est Dieu. Ok. Donc, ça là, jusqu'à présent, nous clés là, Jésus, pas gen ni maman, ni papa. Quand il y a quelqu'un qui parle, dit, et Marie? Non. Marie, lui-même, c'est la mère porteuse de la chair. La mère porteuse de la chair. Est-ce que nous comprenons? Mais Jésus pas gagne maman, pas gagne papa. Ou nous pas wèl lou, l'homme on a parlé là dit Marie ou c'est maman bon Dieu. Non, n'a pas wèl lou, pas vrai? Donc c'est ça que fait dans Ésaïe 9 verset 5, il y a une version biblique qui balie dans verset 6. Ésaïe 9 verset 6, il dit quand un enfant nous est né, ça c'est parti qui pour Maria, ça veut dire un enfant nous est né. Elle dit un enfant nous est né, ça veut dire et un petit monde qui gon mère porteuse. Un enfant nous est né. Un enfant ayant une mère porteuse nous est né. OK? Un fils nous est donné. La deuxième partie là, la parler de l'esprit maintenant. OK? Ça veut dire un enfant nous est né. C'est ça, c'est parti cher là. La parole a été faite cher. Un fils nous est donné. Ah, ça, c'est exactement bon Dieu. Là, nous pensons à 2 Jean 1, verset 7. Jésus-Christ est venu en chair. Un fils nous est donné, ça veut dire que c'est l'esprit qui nous donne la chair. Ce n'est pas maman qui est vrai. Parce que si nous ne pas qu'on fait ça, papa. Marie, pas de bien. Marie, pas de bien, papa. Marie, pas de bien, Marie. Songez Marie te gen pour qui était Joseph.
Alors, quitter, m'abdié pour, mais quitter, qui fiancé, mais dans la coutume juive là, leur fiancé, on considère comme marié. Comprenez? Parce que tout le bagage est planifié. Et ça fait même nous, quand on dit fiançailles, c'est un petit mariage. Eh bien, nous songeons dans l'histoire, dans Matthieu 1, Marie, pas de jambes, elle n'a aucune relation avec Joseph. Ça veut dire que tout le monde n'a pas fait comme ça pour ses mamans seulement. Donc, c'est une mère porteuse. Même si une maman n'a pas fait petite, il y a un problème pour le faire tout le monde. Et puis, là, ça a fait dans un pays développé. Il y a un j'aime. Il met un dedans, j'aime dans développé. C'est comme si c'est comme ça, il n'a pas arrêté. Donc, Jésus n'a pas de maman. Jésus n'a pas de généalogie. Qu'on y a là, nous sommes dans Exode 3, verset 14, côté, bon Dieu te dit, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est comme sa traduction sortie, Je suis. Mais les bons, il y a un tétragramme YHWH en hébreu. En hébreu, l'on fait lecture ça, pour les gens qui ont connaissance en hébreu, qui fait étude en hébreu, et pour ça, tout pas gagné. Mais après, appeler les gens qui ont connaissance en hébreu, et ça pas gagné du tout. En hébreu, l'on fait lecture ou fait de droite vers gauche. Ce n'est pas même genre à français, à espagnol, à créole, à anglais, à grec. Non, c'est de droite vers gauche. Ça veut dire l'on appelle YHWH. Comme moi-même avancé, créole, nous parlons, nous parlons là. Je parle, je dis YHWH. Mais en hébreu, ce n'est pas comme ça qu'on fait lecture ça. C'est dans H qu'on commence. YHWH, c'est on dit HWHY. Or, en hébreu, l'on dit lettre ça, en hébreu, l'on dit lettre ça, comme on dit. On dit He, Wav, He, Yod. He pour H, Wav pour W, He encore pour H, et puis Yod, c'est comme ça, on dit Y. He, Wav, He, Yod. YH, W, H. Maintenant, attendez bien. Même parole ça, bon Dieu te dit Moïse dans Exode 3, verset 14 là. Ou pour aller rejoindre même parole ça dans la nouvelle alliance dans Jean 8 verset 58. Donc nous rappelons l'ancienne alliance c'est l'ombre de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance c'est la prophétie de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance c'est le pédagogue. OK? Ça veut dire qui mène, le pédagogue mène à Christ. Ça veut dire même bon Dieu, ça qui te parle dans Exode 3, 14, c'est même bon Dieu ça qui parle dans Jean 8, verset 58. Côté le te dit, et hypocrite, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire même parole, bon Dieu te dit dans Exode 3, 14, c'est même parole ça. L'Elvin fait être cher dans Jean 8, verset 58. Il dit même parole ça encore. Il te dit, je suis. Il vient dire même pas là, je suis. Ça veut dire, attendez bien, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire même ça, YHWH l'a dit dans Exode 3.14 là. Attendez bien, oui. Même ça, il dit dans Exode 3.14 là, qui signifie, c'est monde qui existait par propre lui-même, non? Qui parle de généalogie, c'est même parole ça, Jésus dit tout. Il vient dire la chair, l'elle fait être chère, il dit dans Jean 8, 58. Dans Jean 8, 58, il toujours dit, c'est moi, je ne suis pas ni maman ni papa, c'est moi qui n'existe pas propre, moi-même, c'est moi qui commencement et moi qui fin, c'est moi qui premier, moi qui dernier, je ne suis pas commencement, je ne suis pas fin, mais c'est moi-même qui commencement, c'est moi-même qui fin. Est-ce que nous comprenons? Bon. Tenez bien, oui. Pour les gens qui ont mal interprété, qui ont mal traduit, qui ont mal enseigné, YHWH. Tenez bien. Maintenant, son qui émet, parce que pas j'aime bien monde qui te dit YHWH, son tétragramme, c'est quatre consonnes. Mais m'a rappelé nous, scientifiquement et linguistiquement, en hébreu, pas de voyelle. En hébreu, il n'y a pas de voyelle. Ça n'existe pas en hébreu, des voyelles. Tenez bien, oui? Il y a des voyelles en grec, mais il n'y a pas de voyelle en hébreu. En hébreu, il y a 22 consonnes. Il y a 22 consonnes en hébreu. Pas de voyelle. Il y a 22 consonnes. Et parmi ces 22 consonnes, il n'y a pas de J. Il n'y a pas de J.
pas gen lettre J en hébreu, pas gen J. Donc, n'ap tande de yoa, nous konnen diable gen pile ruse. Donc c'est animal qui plus rusé. Il était le plus rusé. OK, des animaux des champs. Satan lui dit, pas vrai, selon Genèse 3, verset 1. Il est très rusé. Et c'est bête qui est plus rusé. Et avec ruse, lui, qui ça le fait qu'on y a, lui trompe, lui séduit moun. Donc la ruse fait quoi? La ruse séduit. Et ça fait des produits séducteurs. Ça veut dire, ou être directement le serpent ancien. Des produits séducteurs dans la Bible. Il veut dire le serpent ancien. Autrement dit, il veut dire Satan. Il veut dire diable. Satan le diable. Est-ce que nous comprenons? C'est même bagarre là. L'on dit le serpent ancien, l'on dit le malin, l'on dit le séducteur, l'on dit l'antéchrist, l'on dit l'adversaire de Dieu. Tous ces synonymes veulent dire même bagarre. Je reprends. L'on dit le serpent ancien, ou veut dire le séducteur, depuis dit l'antéchrist, depuis dit le malin, comprendre, depuis dit Satan, depuis dit diable, ou vous voulez dire même bagaille, tout vous voulez dire même bagaille. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire avec Wesley, qu'on y a là, l'a séduit, petit bon Dieu qui manquait maturité, qui pas maturité, qui incrédule yo. Et yo séduit, selon qui passage qui fait me dire ça? Romains 16, verset 18. Selon Romains 16, verset 18, diable a séduit petit bon Dieu qui n'a pas de maturité, qui a peu de foi. Jean, parole bon Dieu dit là, non, Romains 16, verset 18. Est-ce que nous comprenons? Avec Wesley, qui ça le fait? Il prend YHWH là, et puis lui-même, oui, il dit c'est JHWH. Et puis il forme un mot que les Jéhovah. Ouais, ça veut dire qu'il fait sembler avec son qui n'a YHWH là. Le grec là pas existé. Son qui émet yo. Son voyelle qui émet selon la langue grecque. Il fait sembler avec qu'on y a moun qui poko petit bon Dieu du tout, yo séduit yo. Moun qui get un petit bon Dieu tout, mais qui poko gen maturité, qui poko mature, mais yo séduit yo tout de yo, malheureusement. Ça veut dire, tendez bien, YHWH ça, comme les wabdil, ou pas les mabdil dit YHWH, parce que m'a pas les créoles, mais si c'est en hébreu, m'dab dit hanot so yumele hayudim. Le map dit let la soma m'dab dit he wav he yod. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, YHWH, ça, mes amis, en hébreu, mais comment l'île? Ou l'île de droite vers gauche, c'est hanot so yumele hayudim. Ouais, ha, pour H là, oui. Ha, le nap l'île. Mais qui ça le dit? Ha, not so yumele hayudim. Ça veut dire qui ça? Ou pas une signification YHWH en hébreu, ça le dit dans Jean 19, verset 19. Eh bien, Hanot so yumule hayudim YHWH, ça le dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais ça le dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. YHWH là. C'est lui-même dans écrito. Pilate, yo te écrit les Pilate après crucifier Jésus a dans écrito avec dit tiensey qui était sous tête Jésus sur quoi il était écrit en hébreu, en grec, en araméen, en latin, mais hébreu a et qui intéressé parce que c'est lui n'a pas l'Exode 3:14 là hébreu a mais ça était écrit à faire recherche après moi assurer nous à faire recherche à moi s'il vous plaît. Dans le texte original là. Allez dans Jean 19, verset 19. Ou après dans le texte original là. Hanot so yumele hayudim ou après YHWH la dan. C'est lui qui est dans Exode 3:14.
qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ça qui fait vrai nom Dieu, c'est Jésus. Parce que l'on dit Dieu, ou dit Créateur, ou dit Rédempteur, ou dit Consolateur, ou dit Père, ou dit Fils, ou dit Saint-Esprit, tout ça, c'est des titres, et pas des noms propres. Donc tout le monde qui a un titre, il a un nom propre. Le nom propre là, c'est Jésus. Donc nous, on a dit ça YHWH, avait dit. Bon, on y en a allé. Son qui est maintenant YHWH là, son qui est Mathieu. Qu'on y a le langue grec qui apparaît dans la nouvelle alliance, qui vient voyelle, mais qui sont yoyés. Mais qui s'albaille. YHWH. Ça veut dire qu'on y a l'offre fait les tuyaux, l'offre fait de gauche vers droite, parce que c'est grec. Mais son bail, il bail Yehoshua. 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 Mais dans l'hébreu ancien, hein, c'est Yahushua. Yahushua. Yahushua Hamashia. Yahushua Hamashia, ça signifie Jésus le Christ. Ça signifie Jésus Christ. Ça signifie Jésus le vrai Dieu. C'est ça que fait l'apôtre Pierre te dit dans Matthieu 16, 18, tu es le Christ. Et il dit, tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu, le vrai Dieu. Tu es le Christ. Et puis il dit, le Fils du Dieu vivant. On connaît ainsi que témoin de Jéhovah captant d'enseignement ça sur YouTube. On connaît, il dit ça. Il pourrait dire, à part de fin dire ça. Il dit, tu es le Christ. Mais pas fin dire ça. Il faut te finir pour te dire, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire, yo même yo prennent le sens littéral, Jésus c'est petit bon Dieu, mais qui non bon Dieu? L'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans Matthieu 16, 18, c'est dit, il dit, tu es le vrai Dieu. Et puis il dit, le Fils du Dieu vivant, et il dit, la chair de l'esprit, la chair de l'esprit. Est-ce que nous comprenons? Parce que Dieu est esprit. Selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc tu es la chair de l'esprit. C'est ça qui veut dire fils. Fils, ça l'est dit fils. C'est pas fils ou qu'on est dans le sens littéral, t'as comme moi-même avant petit garçon. Non. Fils dans la Bible, là, ouais, fils de Dieu dans la Bible, ça le veut dire. Il veut dire la chair de l'esprit. Est-ce que nous comprenons? La chair qui sort de l'esprit. Chair qui sortit dans l'esprit. Là. Nous tendez les témoins de Jéhovah qui attendent là yo. Depuis ces témoins de Jéhovah qui attendent dans le monde là. L'Oué apôtre Pierre dit l'elle te jeune révélation pour l'église là. Jésus t'a demandé yo qui est moi et qui est yo dit nous moi ya. Et bien c'est seulement Pierre qui t'a révélation, cet esprit t'a révélé, il t'a ouvert cœur pour ça, qu'elle t'est disposé pour ça. Et puis Pierre dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, ça veut dire tu es le vrai Dieu, la chair de l'esprit vivant, la chair de l'esprit qui existe en réalité, la chair de l'esprit qui existe réellement, mais ça le dit. C'est ça, des pouvoirs fils, parce que bon bon monde de pas seulement témoin de Jéhovah, non, Baptiste fait ça tout, Baptiste fait ça tout, grand pile d'autres religions qui fait ça. Religion protestante, vous faites ça tout. Vous toujours croyez que papa a une petite voix. Non, ça n'existe pas. Dans la Bible est spirituelle. Vous pas arranger quoi pour comprendre la Bible chanellement, avec connaissance chanel. Est-ce que nous comprenons? La Bible est spirituelle. Alors, les gens qui croient que papa a une petite voix, vous toujours abdou, comment faire Jésus a parlé? Il dit papa, pardonnez-vous. Comment elle fait la parole, dit mon père, mes amis, waouh, nous manquons révélation, nous pas de révélation. La Bible, c'est la révélation. Dès que vous dites la Bible, c'est comme si vous dites révélation. Dès que vous dites la parole de Dieu, c'est comme si vous dites révélation. Bon Dieu, grand, mes amis, il grand, il dépasse grand. Vous ne pouvez pas être parlé comme ça avec ti intelligence, ou ti connaissance, ou à l'école, ou à faire kindergarten, ou à faire kindergarten primaire, fondamental, secondaire, université, faculté, puis qu'on y a pour comprendre, ou à venir comprendre la Bible comme ça. Non. Il n'est pas facile comme ça. Il n'est pas moi qui dis non. Qui m'a dit ça? Deutéronome 29, verset 29. Il dit les choses cachées. OK? Les choses cachées. Les choses cachées, ça veut dire les explications cachées.
les explications cachées. Attendez? Les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, sont au Seigneur notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous, moi-même, à vous, sont aux chrétiens. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants en perpétuité. Est-ce que nous comprenons? C'est même parole, ça, dans Deutéronome 29, verset 29. Cet esprit, mon Dieu, te dit dans Deutéronome 29, 29, et bien, même parole, ça, cet esprit, mon Dieu, l'a retiré chez là, il fait être une chair là. Il déploie chair, sortir dans toute puissance liant. C'est même parole, ça, là, il dit encore dans Luc 10, verset 21. Qui ça te dit? Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, ça veut dire aux chrétiens, à petit tout, ok? À tes fils et tes filles. Et ça le dit, oui. C'est même parole qui est dans Deutéronome 29, 29, la voix je encore dans Luc 10, verset 21. Donc, mes amis, en hébreu, pas de J, pour qu'il peut moun, kap di nou, kap séduit nous, pour nous brûler dans l'enfer avec adversaire bon Dieu, avec malin, Satan le diable, kap di nou, vrai nom Dieu, c'est Jéhovah. Non, c'est pas Jéhovah lié. Il n'y a pas Jéhovah parce qu'en hébreu, pas de J. En hébreu, pas de J. Là, c'est dans la langue hébraïque à nous, là. Je nous garantis, je vais vérifier, oui. En hébreu, pas de lettre J. Mais il faut faire très attention. Quand il y a un numéro, ça commence à faire. Il y a des gens qui font des recherches, qui ne connaissent pas de J en anglais. Ça veut dire pas seulement qu'on ne connaît pas de J en hébreu. Et comme si Dieu m'était tombé sur un livre témoin de Jéhovah qui marquait YHWA, qui marquait YHWH ou bien je te connais YHWH ou bien JHWH qu'on y a yo connaît yo gen moun ka fait recherche parce que moun ki traduit alors m'a dit traduit ça parle de traduit moun ki écrit Bible témoin de Jéhovah yo monde nouveau moun sa pa konn rien ni dans hébreu ni dans grec li pa konn rien ni dans hébreu ni dans grec c'est ça que faut Bible témoin de Jéhovah pa aucun rapport avec texte original là, aucun rapport du tout. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait tout côté, yo mettez Dieu pour Jésus, yo mettez la tide, gros malédiction, gros malédiction, y a pour aller sur tête, raison, parce que Dieu avec le petit D, veut dire Satan, il veut dire faux Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes blasphèmes. Est-ce que vous comprenez? Qu'on y a là, il a essayé d'utiliser ruse pour séduire nous. Qu'on y a là, il a dit, quoi, je me tombe sur un bagage qui marquait Jéhovah ou bien Jéhovah. Est-ce que vous comment il a glissé ruse là? Notre bateau dit Jéhovah, non, il a dit Jéhovah seulement. Ah, mais attention, songez, je me dis ça. Songez, moi te dis ça. Songez, t'es bon monde, t'es bon petit bon Dieu. Un messager de Dieu, un micro de Dieu. C'est un micro bon Dieu dans le monde là. Un messager bon Dieu, un porte-parole bon Dieu, un reporter bon Dieu qui te dit nous, puis devant là, il commence, il faut comprendre le monde là non, puis devant là, on va commencer à tendre, on va le dire Jéhovah. Parce que quand il y a là, il vient connaître, il y a un petit bon Dieu, il y a une recherche linguistique. Al fait des recherches en hébreu, yo vinn konnen en hébreu pa gen j, mais l'autre dit ça convainc yo, depuis dire on témoin Dieu va pa gen j contre jeune j, ou convainc li bébé, qu'on y a là comme ça ou fait, y a aller qu'on y a commence à changer moi. Y a passé de Jéhovah à Jéhovah. Faut faire très attention. Y a passé de Jéhovah à Jéhovah. Bon. Mais qu'on y a là faut quand même faut cet esprit bon Dieu au travers de moi-même c'est pour ça me faire enseignement ça faut que cet esprit bon Dieu au travers de moi-même dit nous et si nous joignent
yon témoin de Jéhovah qui dit nous comme ça, et c'est Jéhovah ou bien Yéhovah qui ça pour nous dire, parce que dans Yéhovah, yo pral forward YHWH a raison. Parce que qu'on y a là, en hébreu, l'ob dit WA ou ka dit WAV, ou ka dit WAV, ça c'est prononciation et étymologique là. C'est prononciation originelle là. Mais prononciation originale là, ça veut dire deuxième prononciation, hein? Hein? Prononciation additionnelle là, c'est VAV. Est-ce que nous comprenons? Donc W en hébreu, ou ka dit WAV ou bien VAV. C'est ça que fait, attention, yo pral dou Yéhovah. Parce que yo commence à venir avec Yéhovah. Un hel poko populaire, non? Mais yo commence à venir avec elle. Comprendre pour yo ka, c'est du petit bon Dieu. Faut faire cette très attention. Maintenant, qu'on y a un sigue dans nous qui joignent, yon qui dou, c'est Jéhovah ou bien Yéhovah. Comment qu'on y a là, pour défendre nous? Mais comment cet esprit bon Dieu au travers de moi-même Abdou pour défendre nous? Si je n'y en dois pas de problème, il dit Yéhovah tout parce que W a dit Vav. Qu'on y a qui soit pral dire? Ou pral dire comme ça, qui ça Yéhovah veut dire en français? Qui ça veut dire en grec? Yes. Parce que qu'on y a là, l'autre dit Yehoshua ou bien Yahushua. Ça c'est hébreu, et quand ça sorti, son voyelle sorti en hébreu, qui c'est Hanot Soyumule, Hayou dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qu'on y a là, Mandel pour le définir pour YHWH, et puis dit le traduit pour en français. Parce que là, il peut le traduire, il peut le bon Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et nous-mêmes, tout, sur le genou Bible, on texte, on Bible qui est texte original, allez dans Jean 19, verset 19 avec, et puis montrer YHWH qui ça le dit. Il veut dire Hanot Soyumule Hayudim, qui veut dire en français Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Qu'on y a là Mandel qui est équivalent, s'il t'a de Yahova, oui, Mandel qui est équivalent Yahova en grec, parce qu'il faut qu'il y ait équivalent en grec. Or, parce que la Bible écrit, la Bible principalement écrit en hébreu pour l'ancienne alliance, en grec pour nouvelle alliance, et puis quelques petits araméens. Vous comprenez? Mais généralement, l'ancienne alliance, c'est en hébreu. Généralement, la nouvelle alliance, c'est en grec. Et quand on y a là, faut qu'on demande qui équivalent expression hébraïque là, qui c'est Yehoshua. Moi-même, sous-mandé, selon la Bible, l'équivalent de Yehoshua, ou bien Yahushua, l'hébreu biblique, l'équivalent de Yehoshua, qui signifie Jésus, en grec, c'est Jésus. Jésus. Il écrit I-E-S-O-U-S avec un petit accent. Jésus. Et comme ça, on dit, c'est ça qui est équivalent. Yehoshua. En hébreu, Yehoshua. En grec, Jésus, qui signifie quoi en français? Jésus. En espagnol, Jésus. Il écrit même en français. Seulement avec accent aigu. Il écrit J-E. Alors presque même en français. J-E-S-U-S. C'est un petit accent qui a donné, qui fait, il pas fin même en français net, parce que français n'a pas un accent, et tonique. En français, il y a un accent aigu, mais pas un accent tonique. Mais, littéralement, il écrit même genre. Ça veut dire, en termes de lettres, il écrit même genre. Yesus, en grec, I-E-S-O-U-S, c'est l'équivalent de Yehoshua, qui n'a Exode 3:14. Et puis, en grec, alors, en espagnol, c'est Jesus. En grec, c'est Jesus, I-E-S-O-U-S, pour soit noté. Et puis, Jesus, J-E-S-U-S, ça c'est espagnol là. Attendez? Donc, si vous avez noté mon Jéhovah, qui a joué coup intelligent, qui dit, c'est Jéhovah ou bien Yéhovah, en exil, bon équivalent grec là. Et pour bloquer là, sec. Parce que l'équivalent grec, il faut le baoul. Parce que Bible pas écrit en hébreu seulement, il écrit en grec. Tout qu'on y a dit le bon équivalent grec là. Ok? Deuxième bagaille, on va dire, pour faire le fermé bouche sec. Dil qui ça, YHWH le dit en hébreu. Écrit pour où? Et puis, Alain Jean 19 avait dit, ça le pensait de l'écriture, ça qui écrit dans l'écriture. Mais YHWH, ça le pensait de lui. Et pourquoi pour faire le fermé bouche sec?
l'a gardé le bouche ouverte. Est-ce que nous comprenons? Faut nous apprendre démasquer séducteur. Est-ce que nous comprenons? Faut nous apprendre démasquer séducteur. Parce que moi-même, la Sainte Bible dit-moi, vrai notre Dieu c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. OK? Qui bon dit ça? Qui bon dit Jésus-Christ c'est le vrai Dieu? 1 Jean 5 verset 20. Il dit Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous entendez bien? Jésus est le Tout-Puissant. Selon Apocalypse 1 verset 8, Jésus est le Tout-Puissant. Selon Apocalypse 1 verset 8. Jésus est le seul vrai Dieu. Selon Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole, et cette même parole était avec Dieu, et cette même parole était Dieu. Ça veut dire là, on a pris trois paroles avec P majuscule, il écrit même Jean, et parole là, verset à dire comme ça, même parole ça, c'est lui-même qui Dieu, hein? C'est même lui-même qui créateur, qui rédempteur, qui consolateur. Et il pourrait l'expliquer plus bien dans verset 14, il dit la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Autrement dit, Dieu a été manifesté en chair. Selon 1 Timothée 3 verset 16. Et quand il pourrait paraître plus clair, c'est dans 2 Jean 1 verset 7, il pourrait dire Jésus-Christ est venu en chair. Ça veut dire Jésus-Christ, l'Esprit, le Saint-Esprit est venu en chair. 2 Jean 1, verset 7. Jésus-Christ est venu en chair. Ça veut dire, c'est esprit lié. Non, mais si c'est esprit, c'est Dieu, pas vrai? Selon Jean 4, verset 4, Dieu est esprit. Dieu est esprit. S'il pas fait être chair, si bon Dieu pas déployé chair sans dedans, qui est-ce qui te kawel? Comment t'as qu'à faire venir, selon Jean 5, verset 18, pour adventitieux avec témoin de Jéhovah, t'as pris un fil battu, plein de calotte, parce que les violés ont accusé le violé sabbat, ils ont accusé le violé sabbat, adventitieux avec témoin de Jéhovah, qui t'a accusé, peut-être qu'il était Christ qui voulait dire Dieu. Comment t'as fait jouer une colle pour battre, hein, jusqu'à ce que vous pensez que c'est octuiel, et pourtant c'est lui-même qui t'a voulu mourir. Il s'est livré à la mort. Selon Ésaïe 53, verset 12, il s'est livré à la mort, il voulait mourir. Mais pourtant, témoin de Jéhovah avec adventice, tu penses que c'est tué. Est-ce que nous comprenons? Donc, Jésus-Christ est venu en chair, selon 2 Jean 1, verset 7. Mais attention, la Bible dit, t'as bien oui? La Bible dit, dans 2 Jean 1, verset 7, il dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs séducteurs, comme c'était dit, plusieurs agents diaboliques sont entrés dans le monde. Et qui ne confessent point, qui ne déclarent point, qui ne veut point, qui ne veut pas accepter que Jésus-Christ est venu en chair, est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et puis il dit, celui qui est tel est le séducteur. Celui qui est tel représente Satan le diable et l'antéchrist et le diable même. Est-ce que nous comprenons? Et l'adversaire même. Nous comprenons? Ça veut dire, selon verset ça, de Jean 1, 7 là, depuis ces moun qui pas déclaré, qui pas d'accord, qui pas l'accepter, Jésus-Christ, c'est vrai Dieu, il s'agit de diable. Et il représente le diable là, même en personne. Il sait, Satan le diable personnifié, c'est le serpent ancien personnifié, en personne, en chair et en os. Et bien, moi, je dis non, 2 Jean 1, verset 7. Il dit, quand plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ça veut dire plusieurs agents diaboliques, sataniques sont entrés dans le monde, et qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire qui ne déclare, qui ne veut pas accepter, qui n'accepte pas que Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chair dans Jean 1, verset 14. Et puis il dit, celui qui est tel, cette personne-là, c'est le séducteur même. Ça veut dire, c'est Satan le diable même, en personne personnifiée. C'est le séducteur même.
Et l'antéchrist est l'adversaire de Dieu. Et pas moi dit, 2 Jean 1, verset 7. Pour moi ne pas dire m'offenser ou m'insulter. 2 Jean 1, verset 7. Allez, pour nous. Ça veut dire que verset, moun sa va pas li. Que verset, moun qui va accepter Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Que verset, on va li. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, selon Apocalypse 4, verset 18, Apocalypse 4, verset 8, Jésus-Christ est saint, saint, saint. Même parole, le prophète Esaïe te dit, dans Esaïe 6, verset 3. Esaïe 6, verset 3. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Pourtant, on va jouer même pour ça dans Apocalypse 4, verset 8. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Saint, saint, saint est Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, encore, Esaïe 9, verset 6. Quand un enfant nous est né, ça veut dire fils de l'homme. Un fils nous est donné, ça veut dire fils de Dieu. On l'appellera admirable, ça veut dire créateur. Conseiller, ça veut dire consolateur, Saint-Esprit. Dieu puissant, avec D majuscule, P majuscule. Et puis, on l'appellera Père éternel. Père éternel, là, clair. Jésus-Christ, c'est papa, pas vrai? On l'appellera Père éternel. Il n'a pas dit on l'appellera Fils éternel. Père éternel. Ça veut dire c'est, Jésus est notre Père. Verset Esaïe 9, verset 6, ça dit clair, capable de dire Jésus, c'est papa. Il dit lui. On l'appellera Père éternel. Ça veut dire nous, tout le monde, même avant capteur d'enseignement, ça, n'a pris Jésus, Père éternel. N'a pris Jésus, Père éternel. Et Jésus te dit dans Matthieu 13, verset 35, depuis le commencement du monde, il parle en parabole. Ça veut dire, les Jésus t'a parlé. Dans Matthieu 23, verset 9, là, il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Et des têtes, il a parlé. Un seul est votre Père, pas deux Pères, un seul. Et le prophète Esaïe dit, on l'appellera Père. Est-ce que nous comprenons? Claire, ça clair, pas une discussion là. On ne peut pas vivre d'accord ça. Bon, diable va y cœur, c'est pas possible. Il est trop clair pour là, trop clair là. Il n'y a pas même besoin de révélation. Ça veut dire que c'est ouvertement, parole a écrit noir sur blanc. Vous comprenez? Nous connaissons un côté, bon Dieu parle ouvertement. Pas vrai? Un côté, Jésus parle ouvertement. Par exemple, dans Jean 13, il parle ouvertement. Dans Jean 16, il parle ouvertement. Dans Jean 18, il parle ouvertement. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes amis, il faut nous d'accord ça. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Donc, YHWH là, mais qui ça le dit? Jésus de Nazareth, roi des Juifs, selon Jean 19, verset 19. Ha not so yumele hayudim. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est venu en chair. Et moun ki pa vle accepter Jésus-Christ, c'est esprit selon Jean 4, 24. Il c'est esprit. Il te fait être chair là, c'est le vrai Dieu là. Ou son agent diable. Et ou représente diable là même. Ou c'est diable personnifié. Selon 2 Jean 1, verset 7. Et ça le dit. Et sa parole, bon Dieu dit. Est-ce que nous comprenons? C'est sa parole, bon Dieu dit. En aller encore. Les témoins de Jéhovah n'ont pas d'église. Mais les témoins de Jéhovah ont des salles du royaume. Les témoins de Jéhovah ont des royaumes. Et nous connaissons tout royaume qui est sous terre. À partir de qui est? À Satan, le diable. Et le diable a été dit la bouche dans Matthieu 4, verset 8. Et il dit tout royaume qui est sous terre, c'est pour lui. Donc c'est clair. C'est normal pour un témoin de Jéhovah pas croire Jésus-Christ, c'est vrai Dieu. C'est normal pour l'autre religion protestante, tant qu'au pentecôtiste, tant qu'au baptiste, c'est normal pour yo croire qu'on papa, qu'on petite vrai dans le ciel là. Mais ça n'existe pas. La Bible dit il y a un seul Dieu. Malachie 2 verset 10 dit il y a un seul vrai Dieu. Éphésiens 4 verset 6 dit il y a un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous,
et parmi tous et en tous. Éphésiens 4, verset 6. Donc, mes amis, en suspens quitter moun, séduit nous. La paix, bon Dieu, bah, là, avec nous. Que cet esprit ouvre l'esprit nous, selon Luc 24, verset 45, pour nous comprendre la parole, bon Dieu. Donc, enseignement nous t'a fait jeudi, c'était sur YHWH. Donc, nous, YH là, WH là, c'est un tétragramme hébraïque. C'est un tétragramme, quatre lettres qui soutient la langue hébraïque. L'on appelle le lit de droite vers gauche, l'on appelle les lettres seulement, ou dit He, Wav, He, Yod, et qui signifie l'on appelle chaque lettre, ça ouvre dit. Il sortit Hanot so yumele hayudim qui écrit dans écrito qui sous tête tiensé qui sous tête croix sous tête Jésus sous croix OK avant te mourir et là il définit et on va ça le dire en français dans Jean 19 verset 19 Jésus de Nazareth roi des Juifs c'est ça que fait apôtre Jean pour dire Jésus c'est vrai Dieu dans 1 Jean 5 verset 20 Et apôtre Jean pour donner Apocalypse 1 verset 8, Jésus-Christ est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est le tout-puissant. Selon Apocalypse 1 verset 8, c'est ça apôtre Jean dit. Encore clair. Et prophète Ésaïe dit nous comme ça. N'appelez Jésus Père éternel, c'est lui-même qui Père éternel là. Il pas dit n'appelez le Fils éternel. Selon Ésaïe 9, verset 6. Jésus est le Père éternel, selon Ésaïe 9, verset 6. Et Jésus-Christ est venu en chair, selon 2 Jean 1, verset 7. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Selon 2 Corinthiens 3, verset 17, Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Éphésiens 4, verset 5 dit, il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Éphésiens 4, verset 5 dit, il y a un seul Seigneur. Ça veut dire, toutes les David, dès qu'on a dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche, publiera ta louange. De qui Seigneur t'a parlé? Un seul Seigneur gagne, la Bible dit. Eh bien, si nous voulons compte qui est-ce qui est seul Seigneur ça, nous prenons dans 1 Corinthiens 12, verset 3. La Bible dit nous clair, Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, si tu déclares, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, est le seul Seigneur, tu seras sauvé. Donc la Bible dit, au monde qui nie petit là, ni papa. De pour nier petit là, ou pas gen papa. Ça veut dire, automatiquement, bon, je dis de l'autre façon pour vous. N'importe monde qui nie chair là, li nie esprit à tout. Parce que je dis nous ça. Dans le commencement enseignement, je dis nous, de pour être fils, il veut dire chair. L'autre père, il veut dire esprit. Est-ce que bon Dieu, c'est pas dit papa non? Ah, mais Dieu est esprit. Ça veut dire le Père, c'est l'Esprit. Vous d'accord ça? Bon. Est-ce que Jésus nous a dit ses frères, non? Humainement parlant. Pas vrai, selon la chair. Selon la chair, là, ça veut dire selon Marie. Selon maman porteuse, il était nous a dit ça? Eh bien, la chair, le Fils, c'est la chair. Le Père, c'est l'Esprit. Le Fils, c'est la chair. Ça veut dire chaque fois que nous entendons Jésus a parlé, il dit. Le Père, et bien dit l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? L'elle dit le Fils est dans le Père, c'est dit. L'elle dit le Fils est dans le Père, c'est dit la chair est dans l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? L'elle dit le Fils vient du Père, c'est dit la chair vient de l'Esprit. Nous comprenons les témoins de Jéhovah, captant des enseignements, ça, surtout. Je parle à tout le monde, mais en particulier les témoins de Jéhovah. Je n'ai aucun problème avec eux.
Je n'ai aucun problème avec vous. Mais le job, moi, c'est démasquer ruse diable. C'est job comme ça. C'est mission comme ça. C'est mission comme ça. Démasquer ruse là. Yes. Parce que c'est tellement difficile. Ou à confondre, ou à monde qui n'a pas de maturité, ou à penser c'est vrai. Ça, au-delà là. C'est ça que fait, selon Matthieu 13, verset 29, clair. Matthieu 13, verset 29. Qui ça Jésus dit? Qui sa parole, bon Dieu dit? Eh bien, il dit comme ça, blé a tellement semblé à ivraie, ou mette quitte yo. Ou mette quitte yo ensemble. Quitte yo ensemble, parce que yo tellement semblé, ou mette quitte yo ensemble pour blé a pas victime. Et ça le dit, oui. Matthieu 13, verset 28 et 29. Quitte blé à ivraie, ou mette quitte yo ensemble pour blé à pas victime. Ça fait ça. Parce que, à faux enseignement, il y a bay dans le monde là. Faux enseignement, il y a bay dans le monde là. Ruse, kap séduit moun yo, kap séduit petit bon Dieu qui pa gen la foi, qui pa gen maturité yo. Eh bien, ou apprend livret pour le blé. Ou apprend foi pour bon. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, selon Matthieu 13, verset 28 et 29, ou met quitte moun, tout moun kapdou, Jésus pas Dieu. Tout moun kapdou, Jésus son faux Dieu. Tout moun kapdou, Jésus pas vrai Dieu, ya. Son faux Dieu, son petit Dieu lié, vrai Dieu, c'est Jéhovah, ou met quitte yo. Et ça, la Bible dit, ou met quitte yo. Pas fait coller avec yo. D'ailleurs, yo pas fait partie de l'église, yo fait partie du royaume, diabla. C'est eux-mêmes qui relaient, qui dit qu'ils sont dans la salle du royaume. Ils ne sont pas dans l'église. Et nous connaissons l'église, c'est fiancé Jésus. Jésus n'a pas venu chercher la salle du royaume. Jésus a venu chercher l'église. Jésus n'a pas venu chercher la salle du royaume. Jésus a venu chercher l'église. Ça veut dire, comme dernier conseil, je vais dire tout le monde capte l'enseignement ça. Puis, quand nous perdons du temps, puis quand nous perdons du temps à parler spirituellement avec les témoins de Jéhovah. Nous comprenons ça? Ça veut dire nous dans la lumière, nous même dans la ténèbre, ce n'est pas même pour nous parler. Et tant que nous avons parlé de sucre, nous avons parlé de sel. Nous avons parlé de du riz, nous avons parlé de maïs moulé. Est-ce que nous comprenons? C'est le jour et la nuit. Nous comprenons? Il n'a pas parlé de lettres, l'autre a parlé de citron. C'est deux bagages, deux langages différents. Ça veut dire, chrétien qui a fait échange avec chrétien. Est-ce que vous comprenez? Chrétien qui a fait échange avec chrétien. Mais chrétien pas qu'a fait échange avec païen. Donc les témoins de Jéhovah sont des païens. Ou pas qu'a chrétien pour faire échange. Ah, il n'est pas possible de vous faire échange. Parce que les témoins de Jéhovah ne vont pas faire échange, ils vont faire débat. Débat veut dire discussion folle. Qui sont sagesse diabolique selon Jacques 3, verset 13 à 18. Jacques 3, verset 13 à 18 dit, depuis ces gens qui ont fait discussion folle, qui ont fait débat, tout est sagesse diabolique. C'est ça, et pas moi qui dis non, Jacques 3, je ne pas offenser ces gens. Je ne vais pas demander pardon, je ne vais pas présenter excuse-moi, parce que je ne vais pas offenser le monde, c'est une parole qui est dans la Bible, je dis. Jacques 3, verset 13 à 18, fait by définition, by différence qui vient entre sagesse diabolique, sagesse terrestre là, avec des gens qui pensent intellectuellement qui comprennent la Bible là, et sagesse d'en haut, sagesse qui sortit dans le bon Dieu. Là. Jacques 3, verset 13 à 18, ça veut dire, les témoins de Jéhovah, cap marché dit Jésus pas Dieu, là. Jésus pas vrai Dieu, là. Ça veut dire que vous ne dites pas vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Vous êtes des agents diables, des agents démoniaques. Ce n'est pas moi qui dis non. 2 Jean 1, verset 7 dit, depuis que vous parlez d'accord, Jésus, tu es venu en chair. C'est, vous parlez dit, déclarer Jésus, c'est vrai Dieu. Eh bien, vous êtes antéchrist là même. Vous êtes diable là personnifié, vous êtes démon personnifié. 2 Jean 1, verset 7. Mes amis, on calé genou.
Et je demande à tout témoin de Jéhovah qui attend l'enseignement ça. Mettez deux genoux à terre. Fermez deux yeux. Levez deux mains en l'air. Gardez ciel là. Gardez ciel là. Vous comprenez ça pour dire? Fermez deux yeux. Vous n'avez pas besoin de citer dans Jéhovah. Mettez deux genoux à terre. Levez deux mains en l'air. Détirez-moi, sentez-nous. Et puis, on va mettre dans Jéhovah, non? Dit connecter avec papa qui est dans le ciel. Connecter avec papa qui est dans le ciel. Bonne révélation, bonne vision, bonne vérité. Comment c'est vérité? Bonne vérité. Songez, oui. Ça, c'est un conseil que j'ai gagné pour tous les témoins de Jéhovah. C'est un conseil pour tous les témoins de Jéhovah. Mettez deux genoux à terre. Tout témoin de Jéhovah capte l'enseignement ça. Mettez deux genoux à terre. Levez deux mains en l'air, fermez les genoux. Ou bien ouvrez les yeux, regardez le ciel là. Dis, papa, bonne révélation, bonne vision. Révélez la vérité. Et puis la faites pour vous. Parce que si vous quittez, si vous vous coupez, la parole ça, vous dit Jésus, son faux Dieu. Jésus pas vrai Dieu. Jésus c'est petit Jéhovah. Jésus pas vrai Dieu, c'est petit Jéhovah. Sous quitter, sous vous couper par ça, vous pas le bouler droit dans l'enfer. Parce que la Bible moi ouais témoin de Jésus même pas ouais témoin de Jéhovah là-dedans. Moi ouais témoin de Jésus même pas ouais témoin de Jéhovah. Quand on vient à témoin de Jéhovah. Quand on peut passer pour témoin Jéhovah. Mon Dieu est esprit et pour témoin esprit. Comment fait témoin esprit là? Quand on peut le passer pour témoin de Jéhovah? Hein? Les finis tout, bon bagaille. Bon hypocrisie. Quand témoin de Jéhovah. Les tremblements de terre dans le monde là, en point cas particulier en Haïti. Les tremblements de terre en Haïti en 2010, nous sommes en Haïti là. Je ne sais pas si des gens qui ont peur. Je ne sais pas si des gens qui ont appris Jéhovah. Non? Non, chaque coup de petit séisme et yon ti, comment relé bagay ça, l'été a, yon ti réplique. Chaque coup de petit réplique, nous en Haïti ne ça. Chaque coup de petit réplique. Et Jésus, m'en dans yon di. M'a dit, j'en dit, témoin, m'a dit, j'en dit, Jéhovah, non? M'en dans tout moun net, ni catholique, ni témoin de Jéhovah, toute qualité, ou gant, tout moun net, ni maçon loge, tout net, depuis gon ti réplique. Jésus, 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 Jésus. M'a dit, j'en dit, témoin, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Mais pourquoi ça n'a fait hypocrisie ça, bon Dieu, monsieur? Mesdames et messieurs, les témoins de Jéhovah, pourquoi ça n'a fait hypocrisie ça à tête nous? Ou pas qu'à faire hypocrisie à bon Dieu? Mouvement témoin de Jéhovah, il était inventé, il était implanté par un maçonloge qui est le Charles Roussel. Pourquoi ça n'a pas fait recherche pour nous connaître côté mouvement sorti? Nous avons quitté nous, nous avons séduit nous, et puis. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est sa parole, bon Dieu, dit dans l'Apocalypse. Le diable est descendu vers vous. Ça veut dire que le diable a fait tout ça qui dépend de lui pour ne pas le bouler, pour qu'on en fait pour le bouler avec. C'est un feu éternel. Et témoin de Jéhovah, vous avez dit que l'enfer n'a pas existé. Je vais vous faire un enseignement sur l'enfer pour montrer que l'enfer existe. La GN, c'est un tourment éternel. Le diable a joué pieds et mains là pour le bouler avec l'enfer. Attention, monsieur, beaucoup de gens dans le monde en danger dans l'accident, ils ont tiré, ils ont tiré dans le pays, ils ont kidnappé. Beaucoup de gens dans le monde ont dit, oh Jéhovah, beaucoup de gens dans le monde ont dit, oh Jésus. Pourquoi ça les nous en danger, c'est Jésus nous dit. Et puis, ils ont fait discussion, nous quittons le diable pour utiliser nous, nous disons, nous ne connaissons pas Jésus comme vrai Dieu. Pourquoi ça ne fait ça? Nous ne pouvons pas faire hypocrisie à mon Dieu. Ça a tout à fait hypocrisie. C'est pour propre nous, nous faire ça, la Bible dit. L'autre verset wap tordé yo apôtre Pierre disait pour propre ruine pour l'enfer wap fait lui et pour l'enfer wap travail. Monsieur, entre nous les témoins de Jéhovah, m'a parlé avec nous, on t'a aimé pour nous aller dans le ciel caler genou pas quitter diable à utiliser nous. Suspendi Jésus, pas vrai Dieu. Suspendi, pour dire Jésus, pas vrai Dieu, c'est de dire c'est faux Dieu. Pas vrai? Nous, Gautimoun, nous parlons français. Si nous disons Jésus n'est pas le vrai Dieu, il est
Il est le faux Dieu. C'est pas ça? Est-ce que ça a un sens pour dire Jésus c'est faux Dieu? Ok? Je vais quitter la dernière question. Ça. Dans tout témoin de Jéhovah, dit, qui ça? Qui équivalent? Jéhovah ou bien Jéhovah qui équivalent en grec? Et écrit tout qui sous tête Pilate, là, dans dit, YHWH, comment le définit? La paix Jésus-Christ baille là à tout témoin de Jéhovah Captain Demna. La paix Jésus-Christ baille là à tout monde qui pas croit Jésus c'est vrai Dieu. La paix Jésus-Christ baille là à tout monde les en danger toujours dit Jésus. À demain si Dieu veut pour un prochain enseignement. Bye bye.